Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment crocheter ce point. Donc ce sont des demi-brides et des mailles coulées. Donc vous allez voir, donc ça c'est assez simple à faire, vous allez voir. Donc elle fait avec des points basiques. Et je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Alors, on commence avec un nœud magique. Et on va avoir besoin d'un nombre impair de mailles en l'air pour créer la base. Donc je vais commencer avec 15 mailles en l'air. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, on a 15 mailles, c'est bien. Et donc maintenant je saute la première maille et dans la deuxième, je vais crocheter une demi-bride. Donc dans la deuxième maille. Donc j'ai 3 sur mon crochet, je cherche les fils et je passe dans ces 3 boucles. Ensuite, on va faire une maille coulée dans la maille suivante. Ensuite, à nouveau une demi-bride dans la maille suivante. Et dans la maille d'après, une maille coulée. Voilà, vous avez un aperçu de comment ça fonctionne. Donc on y va, on va alterner en fait demi-bride et maille coulée tout le long du rang. Vous voyez, hein? Donc ça nous fait une belle un bel effet. Donc on y va, on continue. Donc on fait maille coulée, demi-bride, maille coulée et demi-bride. Maille coulée, demi-bride. Et donc là j'arrive ici, il nous reste une dernière maille et on termine avec notre maille coulée. Donc là vous voyez toujours cette, ce mélange entre demi-bride et maille coulée. Donc là je commençais avec une maille en l'air, je tourne le travail et on y va. Donc on va commencer comme je l'ai fait tout à l'heure, donc on commence avec une demi-bride, ensuite une maille en l'air, une maille coulée, pardon. Ensuite, une demi-bride. Donc on alterne toujours demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée, comme vous pouvez le voir. On alterne. Donc là, on y va, on fait notre demi-bride. Voilà, on a fait notre maille coulée, maintenant on refait une demi-bride. Voilà, donc notre maille coulée, ensuite on fait une demi-bride à nouveau et on terminera aussi le rang avec une maille coulée comme on l'a fait précédemment. Puis on poursuit après bien sûr, donc on a fini donc le rang 2, vous avez vu c'est tout le temps la même chose, hein. Vous voyez l'effet que ça donne, le point. Et là, on continue, hein, donc maille en l'air, on tourne le travail et on reprend. Demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée, etc., etc. Voilà, ma demi-bride, ensuite ma maille coulée, la maille suivante, puis demi-bride, dans la maille d'après, puis maille coulée. Donc vous alternez ça à chaque fois.
Chaque rang est similaire en fait. Voilà, hybride, maille en l'air, demi-hybride et maille coulée, pardon, maille coulée, pas maille en l'air, hein. Voilà, donc vous voyez vraiment le rendu, l'effet que ça donne. Donc on peut continuer quelques rangs et puis ensuite, voilà, on aura notre petit échantillon. Donc vous voyez le rendu. Donc ça c'est après avoir crocheté plusieurs rangs, ça vous donne un aperçu un peu plus net de ce que donne ce point. Vous voyez cette originalité avec ces petits traits en fait un peu inclinés qui sont par-ci par-là. Sur le travail qui donne un effet vraiment original. Et tout ça, vous l'obtenez en fait en alternant du coup ces demi-brides et ces mailles coulées. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le crocheter, que ça vous donnera une idée de base pour un autre projet que vous allez faire au crochet. Aimez la vidéo, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!